monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un retour de course. J'ai peut-être une tête fatiguée, je rentre du travail et j'ai fait un drive. Mon drive ouvre à 7h le matin, donc j'en ai profité. Je suis essoufflée. Donc comme vous avez vu dans le titre, il y a 200 € de course. On en a pour un long moment. J'ai repris des œufs, c'est pas des œufs de ouf, je sais, mais il n'y avait plus que ça sur mon drive. Donc j'en ai pris 3 boîtes de 10 Eco Plus, parce que nous on en mange plutôt beaucoup. Ensuite, j'ai pris une compote pomme banane Andros, une pomme vanille de la marque Repère. Elles sont très bonnes celles-ci. J'ai pris un pot de bolognaise. J'ai pris deux pots de lait concentré sucré pour faire des desserts. C'est top. J'ai trouvé plein de recettes trop cool. Ici, ce sont des farfalines. Donc, ce sont des petites pâtes. Je prends toujours la marque Barilla aussi. J'ai pris 3 boîtes de conserve de champignons Eco Plus. L'autre jour, j'ai testé et franchement, ils sont très bien pour le prix. J'ai pris de la moutarde Aroma Amora. J'ai fait ma nuit. Hein. Et pour ce sac, j'ai repris du thon en conserve également. Ensuite, ici, c'est le congelé. J'ai repris des poireaux. Je trouve ça plus pratique comme ça. J'en ai jamais acheté, donc on va tester comme ça. J'ai repris des magnums chocolat blanc. Des extrêmes pécans. Ça, je sens que Mathias, il va adorer. Et ici, j'ai repris des croissants et des pains au chocolat pour le matin. Je mets ça au congélateur, je reviens. Ensuite, dans un seul sac, vous allez voir, dans un seul sac, ils m'ont mis les tablettes de chocolat noir pâtissier. Je ne sais plus si j'en ai pris 4 ou 3. En tout cas, il y en a 4. J'en avais plus, donc quand je me mets à faire des desserts, c'est plutôt cool d'en avoir. J'ai repris du surimi fleurimichon. Il est très bon celui-ci. Du saumon Eco Plus pour faire une tarte saumon poireau. J'ai repris des petits radis comme ceci qui sont déjà prêts. Dedans, il y a 200 grammes. J'ai pris un étorqui. Moi j'adore ce fromage basque, c'est trop bon avec un petit peu de confiture et du pain frais. J'ai pris des petits trucs de boursin pour l'apéro. Il y a mes parents qui arrivent la semaine prochaine, donc c'est pour ça qu'il y a un gros retour de course aussi. Et j'ai pris du fromage croque. Ici, j'ai pris des allumettes de bacon. J'en ai pris 3 paquets. Je voudrais faire des pâtes carbo ce soir. Ça fait longtemps que j'en ai fait. Et ici, ce sont des escalopes de dinde. Vous en avez 600 grammes, donc il y en a bien 5-6 pièces. Donc voilà, je vais chercher les autres sacs. Donc ensuite, j'ai pris pas mal de cochonneries pour le travail. J'ai pris des fruits. C'est pas pour en Denis, hein, c'est pour tout le mois. Des KitKats. Des lions. Et des sneakers. Voilà. Mais j'en emmène pendant tout le mois, jusque fin juin, ça au moins. Et ici, j'ai repris des paquets de Sprite au chocolat au lait. Parce que ça, c'est nos favoris. Et on mange ça en ce moment le matin. J'en ai pris 6 paquets. Voilà. Je parle pas très fort parce qu'il y a Mathias qui dort encore. Ici, j'ai repris des nettoyants lunettes. D'habitude, je prends celui de chez Lidl, mais là, comme je n'allais pas au Lidl,
J'ai pris celui-ci. J'ai repris un canard. Je ne prends jamais la marque, mais là, il n'y avait plus que ça. Et j'en ai plus dans mes toilettes, donc il m'en fallait. Et j'ai profité des promos beauté, encore une fois, pour tester ceci. Ce sont des gels douche. Donc celui-ci, c'est de la marque I Love Bio by Léa Nature de Peps de Grenade. J'ai trop hâte de les tester. Celui-ci, c'est shot de citron. Ça, je vais adorer. Et celui-ci, je sens que je vais bien aimer. Plaisir de vanille. Et je trouve que c'est plutôt cool. Les odeurs pour du bio. Donc, j'ai voulu tester. Ils n'étaient pas très chers. Donc, à voir s'ils sont bien ou pas. Et je ne les avais pas trouvés dans mon Leclerc. Donc, ici, ce sont les fruits et légumes. J'ai repris des petites tomates cerises, toutes les couleurs. Ici, j'ai pris des citrons. C'était pas du tout cela que j'avais pris, mais bon, c'est pas grave. Non traité après récolte. J'en ai pris deux paquets pour faire des petits gâteaux. J'ai pris deux avocats, sûrement pour demain. Ça. J'ai pris des Pink Lady. Dedans, il y a 1 kg, il me semble. 8. Écoutez, des Pink Lady. J'ai pris un petit paquet de framboises. Et je n'ai jamais goûté. J'ai acheté des myrtilles. Je n'ai jamais goûté aux myrtilles. Je ne sais pas... Je croyais que c'était quelque chose de dur. C'est trop bon. Trop contente d'avoir acheté ça. Là, je sais pas trop ce qu'ils m'ont mis là-dedans. Ah oui, parce que mon Leclerc au boulot à Bayeux, il livre. Mais moi, je m'en fiche un petit peu. Je range ça. Et je reviens avec le reste des courses. Donc, ce que je vous montre pas, c'est 4 packs d'eau. Un pack de lait qui était en promo, c'est du Candia, 10 fois 1 litre, ça valait vraiment le coup. Et un pack de limonade, vous savez, la limonade, je vous marquerai son nom sur le truc, je ne sais plus. Et j'ai pris 3 bouteilles de ça, je me suis trompée. Je croyais que c'était du iced tea, c'est du iced tea pétillant. Tant pis, on goûtera quand même, je crois que j'ai jamais goûté. Bref. On fait les deux derniers sacs. J'ai repris du fromage. J'ai pris 2 camemberts de la marque Repère. On verra bien si c'est bon ou pas. J'ai pris des lardons de volaille. C'était pas prévu, je me suis plantée. Mais c'est moi, hein, je me suis trompée. Tant pis. Ensuite, j'ai pris pas mal de petites charcutes pour ce week-end. J'ai repris des rillettes de canard. Du pâté de campagne, vous savez, en tout petit comme ça. Ça évite de le perdre. Et pareil, en mousse de canard. J'ai repris un fleurimichon, un fleuron de canard. C'est un peu comme la mousse de canard, mais en meilleur encore quand même. J'ai repris des tranches de poitrine fumée pour les petits-déj, pour les salades composées le soir, etc. J'ai repris 2 pâtes feuilletées pour faire une tarte à l'oignon, je pense, lundi soir. Et l'autre, je vais peut-être la congeler. J'ai repris un emmental de la marque Président pour tout ce qui est salade. J'ai une piémontaise et un taboulé à l'oriental. Je sais que Mathias adore la piémontaise et moi j'adore le taboulé. Donc j'ai envie de vous dire c'est parfait. Et ici j'ai repris des fromages blancs en pot. C'est pour ça que j'ai acheté les framboises et les myrtilles. Parce que moi j'aime bien le fromage blanc, mais tout seul comme ça j'aime pas trop. Mais avec des fruits c'est plutôt cool. Et le matin ça va être très très bon ça. Ensuite, là, normalement, c'est plus que de la viande, il me semble. Donc, j'ai pris 4 côtes de porc première, des
des brochettes de bœuf haché à la provençale. Ça nous donnait envie. J'ai repris de la viande hachée pour faire un chili con carne. Donc en tout, il y a 1 kg. J'ai repris 1 litre de crème parce que j'en ai besoin pour faire des desserts. J'ai repris également 6 paupiettes. Ça, je vais les congeler 3 par 3. Parce que des fois, ça peut être bien pratique. J'ai pris des viandes hachées en brochette, pareil, mais cette fois-ci mexicaine. Les autres étaient provençales. Et j'ai pris une petite mozza parce que moi, j'adore ça dans mes pâtes carbo. Et j'en avais envie ce soir, donc je vais faire ça ce soir. Et pour terminer, j'ai pris des boulettes de viande, pareil, que je vais congeler. Elles existent déjà congelées, mais je trouve qu'elles sont plus chères. Donc, j'ai préféré prendre ça. Et les dates sont plutôt éloignées, 20 mai, donc ça va. Et je vais congeler tout ça dans la semaine. Donc voilà, pour ce retour de course. J'espère que vous m'aurez bien entendu. J'essaie de ne pas parler trop fort, mais je pense que je l'ai réveillé, le pauvre. Donc, voilà. Bref, je vous fais des bisous et on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.